des gens ici qui me connaissent, vu que bon, j'ai été dans l'associamel pendant 70 ans. Donc, alors, déjà pour commencer, la médecine, enfin, comme un peu tout le monde, j'ai cru que c'était un choix de carrière. J'ai pensé, ben, je vais être médecin, pratiquer la médecine. Or, c'est l'un des métiers où le terme être, enfin, le verbe être est le plus approprié. Parce que, en fin de compte, c'est un choix de vie, c'est vraiment pas un choix de carrière. On ne veut pas se substituer d'être médecin, même si on est autre chose, on le reste avec ou sans le titre. Je suis en cours de thèse, donc pour ma part, on m'a invité apparemment parce que j'ai eu une vie associative assez remplie. Donc ça a commencé en fait depuis le lycée. Au lycée, la fibre philanthropique m'a prise. Et donc, en chiffre à la française, j'ai commencé comme animateur auprès des enfants hospitalisés. Donc, c'était assez con, assez naïf. Mais bon, je l'ai fait pendant 2 ans. Par la suite, j'ai intégré la fac de médecine. Et là, j'ai intégré la SociaMed. J'ai tenu un comité humanitaire pendant 4 ans. Bon, là, j'ai vu que finalement, on avait le temps de faire autre chose. Si on avait envie de faire autre chose que la médecine, c'était faisable. Et on va juste zapper ma partie associée très rapidement. Et donc par la suite, j'ai créé mon association, qui est l'UNAC, créée en 2011, février 2011. Et là, j'ai vraiment viré de bord. J'ai pris les choses plus comme un travail qu'un engagement personnel. Donc là, dans l'association... Donc là, actuellement, ce qu'on fait, c'est réellement du travail professionnel. Donc c'est de la formation professionnelle de jeunes diplômés, chômeurs, qu'on engage par la suite. C'est des employés de l'association qui travaillent comme des animateurs, employés de l'association. Donc je suis... Enfin, j'ai fait l'expérience du bénévolat qui était très agréable, mais limitée. Parce que, bien entendu, quand tu ne payes pas les gens, tu n'auras jamais un résultat, tu ne pourras jamais exiger un résultat particulier. Donc, bon, je vais présenter la question très rapidement. Donc, ce qu'on fait actuellement, enfin, contrairement à ce que j'ai fait avant, c'est on a vraiment axé les choses sur la partie professionnelle. Donc, ce qu'on fait, c'est un travail vraiment social, mais professionnel. Donc, pas de charité, pas de victimisation. Donc, on essaye de, enfin, on n'utilise pas les enfants malades comme moyen marketing. Donc, bon, le plus gros projet, c'est Schrausmiat. Donc, c'est un projet de 10 jeunes sans emploi, diplômés à l'Institut des Cadres de l'Enfance. On a formé pendant 4 mois par une troupe de formateurs en animation spécialisée pour enfants hospitalisés. Donc, en gros, c'est une troupe de théâtre inspirée des contes tunisiens, donc Chah, Omissi, vous savez, Omurtango, etc. Et qui ont travaillé pendant 12 mois, après 4 mois de formation, dans les hôpitaux auprès des enfants hospitalisés. Bien sûr, avec des restrictions professionnelles, du genre pas de contact avec les enfants en dehors de l'hôpital. On ne fait pas de promesses aux enfants, etc. C'est des choses que j'ai pu apprendre sur le tas, moi et l'équipe Radela avec moi dans l'association. Il y a Rania Jebeli qui était l'ancienne vice-présidente de l'association aussi. Amal Haji, aussi vice-présidente de l'association. Bon, à part ça, ce qu'on fait aussi, c'est... tu as actuellement un projet en cours, Farabta, qui est un projet de restauration, rénovation de service de pédiatrie avec Denis Danone. Ça, c'est pour la partie association. Pour la partie bill, bon, je vais finir très rapidement, parce que ça me met très mal à l'aise de parler de ça. Mais bon, c'est que... vous êtes médecin, vous allez être médecin ou vous êtes déjà médecin, mais ça ne devrait pas vous limiter. C'est un travail très beau que j'aime beaucoup. Je compte choisir
la médecine clinique, donc le contact avec les médecins, les malades, mais ça n'inclut pas le fait que je laisse tomber mon autre travail qui est ce travail-là et d'autres.